Nice. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas commencé la vidéo. Salut les gars. Et oh. Et salut tout le monde, c'est Overdose. On se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play. Et donc, eh bien, il s'est passé pas beaucoup de choses depuis la dernière fois. Pas beaucoup de choses, mais il s'est passé de petites choses. Alors, bien, ça commence pas. Alors, souvenez-vous, à la fin, il fallait que, comment dire, on était là, voilà. Je me suis pris des rouges, tout ça. Et il fallait à la fin, donc on avait crafté un petit piège des familles, machin, pour attirer les prédateurs avec son bout de viande et tout ça, bien t'as vu, le c'était gâché. Donc j'en suis servi, hein, bêtement, en fait, je suis allé où? Je suis allé à White. Alors j'étais, je vous explique, il s'est passé des petites choses marrantes. J'allais à White Spring, donc j'ai trouvé un endroit où je pouvais poser le piège. Donc c'était sur des loups féroces, je sais pas quoi, enfin j'aurais plutôt bien défoncé la tronche, et voilà. Et après, donc il y a Rosita qui nous appelle, bah, parce qu'en fait je l'ai fait en une fraction de seconde, j'ai pas fait exprès, enfin j'ai pas fait exprès, c'était, ça arrivait comme ça. Il y a Rosita qui nous a appelé avec son petit téléphone, tu vois. Allô, ouais, alors madame t'as fait ça, je voudrais que t'ailles voir un écorcheur et que tu fasses ami-ami avec lui. Et bah, pas de bol, il y avait un écorcheur luminescent légendaire qui était là, donc j'étais hors vidéo, donc forcément, bah c'est pas Ricorne. Je me suis trop dit, ça va bien se passer. C'est scénarisé, ça va bien se passer. L'écorcheur, je vais aller là-bas, du coup, il va plus me taper. J'ai fait ami-ami avec lui, sauf que ça s'est pas bien passé. Couru ! J'ai couru très très vite. Parce qu'il était pas gentil. Pas du tout. Donc du coup, il a fallu le buter, après, elle reprend son putain de téléphone. Allô, ouais, bah, je pensais pas que t'étais si con, parce que je pensais pas que t'allais faire, mais à la je pensais que t'allais mourir. Rosita. Bon, toujours est-il, après, du coup, il nous dit, bah, c'est vrai que t'as des couilles un peu, tes coronesses m'impressionnent, donc, bah, peut-être qu'on pourrait finalement devenir copain-copain. Maintenant, donc, ce qu'il nous demande, c'est d'avoir encore plus de coronesses et d'aller dans un camp de super mutants pour voler un objet. Sauf que, bah, ce que vous savez pas, c'est que, question munitions, moi, c'est pas trop ça. Hein, vous voyez, donc là, les munitions en 308, donc pour les fusils de chasse, j'en ai 80. Pour les fusils à pompe, j'en ai une. Oh, ça suffit, mais oh! Pour le pistolet, j'en ai 64, donc c'est pas énorme. Pas énorme, faut que je vois mes soins, parce que là j'y vais vraiment, mais vraiment à l'arrache. D'ailleurs, j'ai pas mal de petites choses sur moi qui pourraient me permettre de survivre assez longtemps. J'ai pas d'eau purifiée, ça par contre c'est pas cool. Alors, par contre on a un psycho-buff, on va vite l'enregistrer, il est arrivé où? Il est arrivé là. Donc un petit Medex pour subir des résistances aux radiations. Un Radix. Non, c'est le Radix. Donc un Medex pour les résistances aux dégâts. Un petit psychobuff pour augmenter les stats en général. Et eh bien. Mince. Mince. Non, non, non. Non. Voilà. Non. Faut que je sois en. Ah ouais, faut que je sois en mâche. Ok. Bon, toujours est-il. On va y aller au culot. Donc là, on va aller carotter un truc au super mutant. On va leur mettre à l'envers. Sachant que comme j'ai pas beaucoup de munitions, eh ben, ça serait préférable de le faire, en fait, avec avec le moins de balles possible. Hein, si je peux les one-shots à chaque fois. Non, bah non, bah non, bah non. Oh, putain. Vous entendez ça? Vous entendez ce son désagréable? Vous le connaissez ou vous le connaissez pas? Pour ceux qui le connaissent, c'est juste un kamikaze. Il a juste une grenade nuke dans les mains. Il est juste hyper fort puisque, à la moindre occasion, il se fait exploser sans remords, sans penser à vos enfants. J'ai entendu un vieux bruit, ça me fait tellement stresser. Ok, alors. Donc. Moi, c'est Alt. Ok, on l'a loupé. C'est parfait.
Putain, mais je lui fais zéro dégâts. Alors, avons-nous des mines ou des trucs comme ça? Non. Par contre, on a un cocktail Molotov. Ça sert à quoi de tirer dans la tête s'il meurt pas au premier coup? Alors, je le sens, mais alors, gros, comme une maison, je lui arrive. Et je suis arrivé à court de munitions. Ou bien que la chance que j'ai, il va y avoir un espèce d'écorcheur qui va se pointer derrière moi. Pas mort encore. You die. Ok, bon. On va essayer de se rapprocher doucement. À la base, il fallait être discret, quoi. À la base. C'est ce qu'on va continuer à faire. Comment vous dire que ça, ça pue, ça. Voilà! C'est ça qu'on voulait voir. Ça, je voulais pas voir. Ça, ça me fait extrêmement mal, ça me fait extrêmement surtoucher. Voilà. Mangez-vous ça. Ça vous fera du bien. Hop. Alors, c'est qui, papa? Arrête là! Raté! Je t'ai eu! Ouh, j'ai touché! Alors les gars, là-bas, je voulais le faire en moins de balles possible. Ce qui n'est clairement pas le cas. Oh, arrête de me dire. Voilà! Mon petit pistolet des familles que j'ai pas recyclé cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que t'as à nous proposer? Ok, t'as fait un laser. Très bien. Alors, on va prendre tout ce qu'on trouve. Très honnêtement. Tant pis si je suis en surpoids. Hein, je m'emmerderai plus tard à me débarrasser de mon surpoids. Donc, apparemment, je suis caché, donc je ne crains plus rien. Très bien, d'accord. Ok, ils ont du fusil de... Je sais pas, fusil laser de précision. Ok. Ah bah on va voir. Qu'est-ce que c'est ça? Boîte à café. Faut faire gaffe aux pièges aussi, parce que les super mutants, comment vous dire, super connard. Tac, est-ce que j'ai un truc ici? J'ai un bras, y'a rien dedans. Stocker des choses dans vos bras, les gars. Comment je fais, moi, après? Ok, alors ça, c'est rien. Ah, je fais... Il faut faire super gaffe aux carillons... Ah, bah, tiens, t'es là. Aux carillons qui ont des grenades. Parce que ceux-là, bah, comme son nom l'indique, c'est une grenade. Et quand c'est une grenade, ça se passe moins bien. Ok, lanterne. Cartouche... Ah, cartouche calibre 12. Mais on en a eu que 4. Vous entendez ce bruit? Vous entendez pas hyper lourd? Comme si c'était un monstre. Dois me battre. Dois tout péter. Bon. Donc il y a un mec qui est là. Ah merde. J'ai tiré comme un... Allez, là, vite, que j'ai un CC. Le truc, il y a son clébard, là. Ah, mais ils sont deux!
Un petit steampack. Pourquoi mon steampack il passe pas? Ah putain, c'est un vieux steampack dilué tout pourri là que j'ai. Ah là, ah là, ah là, ah là, ah là, ah là. Donc là, mon petit cocktail Molotov, il aura pas fait assez de bien. Là. Ah, mais tu fais quoi là, toi? Au niveau 22, gros, moi j'ai pas. Ah, bien, j'ai plus de balles. Je bouge pas, je rentre. Ok. Un 10 mm dans ta gueule. Voilà. Est-ce que quelqu'un avait autre chose à dire? Hein? Alors, toi, petit Mulos, qu'est-ce que ça t'a fait? Encore? Mais ils sont sérieux, là. Ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. Décidément. On va mettre une correction à tous ces gens. Putain, faut que je rentre dedans. Faut que je rentre dedans, quoi. Mais allô? Allô, allô, allô? Allô, vous m'entendez? J'ai pas envie. Ça, c'est une caisse de munitions à la place, gros. La prochaine fois, tu me mets des munitions dedans. Donc, je dois ramasser des canettes, là, pour m'approvisionner. Bon, où t'étais, là, mignon? Bidon d'aluminium. Ça, c'est bien, l'aluminium. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là là. On a des petites choses dans, dans le tas, là. On ramasse. Ah, t'étais où? Je t'ai tué, à l'instant. T'étais où? Viande de radra. Ok. Ensuite... Attends, j'étais là-bas. J'ai tué à peu près... Je pense que j'étais par ici. Ouais, je sais pas, et je m'en fous, à vrai dire. Mais c'est pas vrai, ça, mais... Je peux pas bouger mes raccourcis, là, parce que c'est pénible, ça. Ah, j'en ai utilisé en plus Bon. Et donc maintenant, il faut que je rentre dedans avec comme munition 4 sachets de vis. Ça va être chaud. Je suis pas prêt. Je suis clairement pas prêt. Il faut que j'aille où? Alors, j'ai un point en haut et un autre point plus loin. Putain, si seulement j'avais trouvé des armes plus fortes, tu vois, qui puissent one-shot. Hein? Moi, sur les pages Facebook, je vois des mecs qui ont des armes avec 2000 de dégâts. Moi, j'ai des armes avec 5 de dégâts, 14... Des conneries comme ça. 80, waouh, 80, truc de ouf. Et les gars, partagez. Partagez. Bah ouais, mais l'effet de ces gars, il est pas là. Faut dire que j'ai pas eu peur, mais... Comment je fasse là? Le but d'avoir un raccourci, c'est de s'en servir vite. Mais quand tu sais pas où il est, c'est compliqué. Je sais pas comment tirer cette mission, mais... Je sais pas. Quand j'ai trouvé une petite grenade à plasma, ça fait du bien. Où est-ce que tu me tires dessus? What? Ah,
Robert. C'est toi. Bon, les mecs, ils me tirent dessus de je sais pas trop où. Et maintenant, faut courir. Ah, parce que ça, elle a dû faire mal, normalement. Enfin, une baston. Tu crois pas si vite que moi. Mec, il te guichait, pénard, il m'avait pas vu. Putain. Ah, mais non, faut arrêter, les gars, là. Moi, j'en peux plus, là. Putain, j'ai presque plus de mine, là. J'entends des bruits. Un protectron. Si je pouvais le pirater. Vite, vite, avant que le PD il arrive. On va essayer Crossed. C'est pas ça. Une similarité. Il y a un qui colle sur celui-ci. Là non plus. Ouais, c'est sûr. Non plus. Ah ouais, c'est sûr. Je fais au pif. Vraiment, je fais au pif. Bon, pas de okay, il y a pas beaucoup. Ok, on va attendre un petit peu. Pas grave. En attendant, on va ramasser tout ce qui est ramassé. Oh, il y a des choses à ramasser d'ailleurs. J'espère qu'on va trouver un petit établi parce que là c'est comment vous dire, je trouve que c'est grave la merde. Je me sens pas très très bien. Je trouve que 12 balles de 12 mm, non mais allô quoi. Ça va être compliqué. Alors, détail. Deux similarités. Soyez à moi. Oui. Ah, il y a un coffre fort aussi. Commande de protectron. Surtout les protectrons. Choisir un mode de personnalité. Activer unité. Voilà. Il faut juste qu'il me tire pas dessus. Coffre fort. Ok. Très bien. De large décolonisation. Activé. On va l'activer. Bah, c'est bon. Non. Qu'est-ce que je fais? Demande acceptée. Ok. Ok, donc ça on s'en fiche. Alors maintenant on sait qu'il y a un coffre fort. Et il est là. Ok, il n'y avait pas grand chose dedans. Nos amis protectrons, ils sont niveau 14, ils sont pas ouf. Ils vont pas nous laisser passer. Ah si, c'est compliqué. On va les laisser. Du coup, je vous assure que ça peut être. Le temps qu'il crève, il peut peut-être faire remplacer un chargeur, quoi. Je veux dire, un chargeur pro. Puisque c'est un chargeur. Dans ces temps, un peu difficiles, c'est beaucoup de choses. Mais mettez des choses dedans, les gars. Ça va pas. Une trousse de premier secours, c'est fait pour avoir du premier secours. C'est quoi, là? Ça fait mal. Mais c'est une blague. Ça a tué le protecton. Par contre, lui, il a pas résisté, quoi. Mais il a pas tiré? Mais ça bille! Impossible que je m'en sorte. Ah, j'y vais pas assez préparé. Bah, du coup, j'y suis allé un peu à l'arrache. Ah, ça me pète les couilles de devoir tout refaire, là. Ah, j'ai plus rien, j'ai plus de munitions, que dalle. Ce let's play part en couille.
Comment tu veux que je fasse Et d'ailleurs, mon camp... Mais qu'est-ce qu'il fout là, mon camp, lui? Bon, bref. J'ai mon camp qui est là-bas. Voilà, dans le plus grand des calmes. Sauf que si je vais aller là-bas, c'est 30 putains de capsules. Ah, c'est pas grave, voilà. Parce que je sais pas où trouver un établi de bricoleur encore de tête comme ça, alors... Vous êtes en surcharge. C'est trop nice, ça. Ah la vache. Ah la vache. Ah là, je l'ai mis profond. Je l'ai tellement profond, là. Je suis à combien? Putain, plus je suis en beaucoup sur poil, hein. Tentons quelque chose. Donc, le psychobuff. Donc, je vais augmenter ma force de 3. Ok. Manta orange. Perception. Mais... Charge maximale 20. Ok. Steak de rat top 1 en plus. Bon, bah écoute, on va essayer ça. Hein. Oh. Putain, je suis monté à 2,20, mais je suis toujours en surpoids. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Il faudrait que j'aille à un endroit où il y a un établi. Je sais pas où il y en a. Ça, c'est tant pis. Putain. Ouf, à tout hasard, on peut recycler. Ça va bien. Peut-être ça va bien. On peut faire que ça avec le... On peut faire que de la bouffe avec le boss de cuisine, ça c'est nul ça. Avec la chimie, je sais qu'on peut tout faire, hein. Ça ne m'arrange tellement pas, mais alors tellement pas. Ouais, si vous nous filiez un compagnon aussi, on pourrait faire autre chose. On pourrait... Ça débrouille un peu plus, mais là, comment voulez-vous que je me débrouille? Filez-moi des bonnes armes aussi, là! Rien eu d'exceptionnel. Mine à impulsion. Pas de pas mal, ça. Bon. On va rentrer. Pas rien parlé. Bon. Faisons le tour de nos armes. J'ai quelques grenades à fragmentation. J'ai soif. J'ai ça, c'est un problème. J'ai mon fusil de fusil là, mais j'ai rien du tout. J'ai une masse, mais il aurait fallu que je sois en armure. J'ai mon fusil de précision qui va pas me servir. J'ai un fusil de chasse. Attends, moi, mon fusil à moi, il est où? Parce que là, j'ai des fusils de chasse à 69 de dégâts. Et là, j'en ai un à 63. Quoi? Je me fais chier avec le mien alors. Bref. Fusil laser. Là, ça peut être sympa parce que du coup. J'ai pas vraiment de. Ouais. 21 de dégâts, c'est pas assez. Ça fait vraiment pas mal. Un pistolet, je m'en tape. Ok. Donc, fusil de chasse, eh ben, je vais le mettre aussi en raccourci. Hein. Par contre, y a pas de la flotte là qui traîne hein? Y a pas un petit peu de flotte? J'en débarrasse, montage. Ah, New Coca-Cola. Parfait. Oh bah hé. Quand on parle de soif. Bon, je vais retourner par là où j'étais. J'avais déjà oublié comment ça les entamer. Hop. Alors là par mon. Oh. Donc, y a qu'une bonne lunette en plus.
Bah, y'en a un qui est en danger. Alors qu'il lui m'a pas vu, quoi. PTDR. Eh merde. Ah bah oui, je peux tirer en rafale. Ils aiment pas trop ça, on dirait. Hein. Ah, ils ont moi aussi. Il a repris ça. Ah, ça te fait du bien, mon gars. Alors, t'en penses quoi? On va suivre la péter, non? Tenter un truc. Oh oh oh. Ah bon, c'est pas léger. Je suis pas trop d'accord qu'en fait lui me touche et moi je le touche pas. Ah, c'est là, c'est le feu cette arme là. C'est le feu! Mais j'adore! C'est quoi ce bruit là? Ça se calme ou ça se calme pas? Bon, alors mes cadavres par contre là, vous êtes où? Ah, ils sont là! Super masse! Je peux pas m'en servir, je vais pas la ramasser. Je sais pas si je la ramasse en fait. Il y a ma cadavre là. Petit coup de pression des familles qui m'a pas fait du bien. Je dirais que l'avantage en tout cas c'est que j'ai plein de munitions. Oh, un établi. Ah la vache! Faut pas faire ça! Espèce de gros con! Parce que c'est ni pour mon bien ni pour ton bien. C'est pas dégueu. Ah, eh ben écoutez. Plante de fruits mutants. On va ramasser. On va ramasser plein d'ailleurs. Et on va commencer. Et d'ailleurs, je compte commencer une petite production en fait de tout ça. Il faut juste que je replace bien mon. Je sais pas où vous avez mis le vôtre. Si vous en avez mis un. Mais je pensais le mettre au milieu de la map en fait pour m'en faire un point de. Téléportation free quoi en fait. Ok, je m'en tape, j'ai pas que ça à faire. Donc on m'a fait perdre du temps de ouf là. Bonjour. C'est le facteur. Ça sert à rien. Là, on sait qu'on peut monter donc mur. Je sais pas si les murs c'est utile en fait. Là il y a rien dedans. Des munitions, donnez-moi des munitions. Ouais bah tu permets deux petites secondes parce que moi depuis tout à l'heure je suis que j'arrive pas. Alors, armes, ça on regarde pas. Là. Ça du coup on regarde pas. Non plus. Alors du coup, la question, c'est que là j'ai un fusil de chasse qui est pas 50 de dégâts et pourquoi je dois 55 maintenant. Bon, toujours est-il de toute façon fort, même s'il a plus de stabilité. Bah non, je trouve pas non plus.
Ouais, allez, hop là, vendu, comme ça on n'en parle plus. Casque militaire sale là. On... Non, non, on a rien à foutre. Combien de... Alors ça, ça peut être... Ça, ça peut être utile. Faut juste... Ok... Ça, je vais attends, je garde pas pour l'instant parce que du coup je voudrais juste, je sais pas trop quoi en fait, je sais pas ce que je veux faire en fait. Bref, continuons notre visite. Ah là 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 là, mais ouais, mais en même temps, mais dites-le quand vous êtes là les gars. Ça commence à me tendre un peu cette histoire là. Ça fait un bruit comme si c'était juste vraiment l'autre côté quoi. Comme si on juste vraiment l'autre côté quoi. Oh mes PV. Oh le fils de pute. Ah, mais comment vous dire que je me sens pas bien? Ouais, je m'en fous d'avoir une défense, une indépendance, rien à branler. Oh le bâtard. Comment ça m'en... Je suis caché en plus là. Mais comment mon viseur il marche plus? Comment tu fais pour avoir de la... Oh, c'est un ninja. La planche là. Il y en a un qui traîne mais je sais pas où. Il y a encore tant de monde à tuer. Ah, mais comme si j'étais en train de faire ça, quoi. Fou. Bon. Je vois tant de ça. Voilà, voilà, voilà. Pas le malin. Bon. Eh bien, sur cette scène un peu désastreuse, moi, je vous propose... qu'on se retrouve pour le prochain épisode. Je vais essayer de le faire en deux fois. D'ailleurs, je vais essayer de finir entièrement, de ne pas mourir et de ne pas passer à autre chose. Puis voilà. Et puis c'est tout, quoi. C'est un peu tout ce que j'ai dit en fait. Allez, sur ce, je vous dis. Oh, j'ai pas le choix. Et puis voilà. Allez, ciao tout le monde. Kiss.